Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo haul de chez Action et ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait une, en fait ça va faire à peu près un mois et j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai acheté, ce sera à vous de me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme test en prochaine vidéo sur tout ce que je vais vous montrer. Donc on va commencer par un article assez basique mais que je n'achète pas souvent. En fait j'ai voulu acheter un petit fond pour mes vidéos et j'ai trouvé celui-ci super cute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah, si vous n'aimez pas, écoutez, je l'utiliserai dans le sens blanc. Mais moi j'aime bien ce sens-là, je trouve ça trop cute avec la petite licorne et tout. Après voilà, pourquoi pas aussi l'utiliser en blanc de temps en temps. Donc à chaque fois je vais vous donner le prix de chaque article. Donc ce grand set m'a coûté 79 centimes, donc c'était vraiment pas cher. Après chez Action, vous le savez, quasiment tout n'est pas cher. Par contre, j'ai perdu mon ticket de caisse, donc ce sera des prix à peu près, si je me trompe, de 5 ou 10 centimes. J'en suis vraiment désolée. Donc on va passer tout de suite à la suite. Hop, je vais poser ça ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Et franchement, si ça fonctionne, ça pourrait être super sympa. J'ai trouvé des cols. Donc, il y en a 3 à l'intérieur. Ça coûtait 3,49 € je crois. Ça doit être un truc dans ces alentours-là. Mais c'est vraiment pas cher pour le nombre de cols qu'il y a à l'intérieur. Il y en a 6. D'ailleurs, je vais les sortir pour vous les montrer. Dites-moi en commentaire si vous voulez le slime test de ces cols. Mais elles sont super jolies. Donc on a un bleu pailleté avec des reflets violets. On a un violet avec des reflets roses. Un jaune avec des reflets jaunes. Un vert avec des petits reflets jaunes. Un rose avec des reflets jaunes, un petit peu orange aussi. Et un orange avec des reflets jaunes. Voilà, je trouve que les couleurs sont vraiment super sympas. J'ai vraiment hâte de tester. Donc chaque col fait 140 ml. Ça me fait penser un petit peu au col Elmer's. Alors si ça fonctionne tout aussi bien, ça pourrait être super sympa. Pour le prix, franchement, si ça fonctionne, j'en rachèterai sûrement. Et pourquoi pas en acheter quand je pourrai plusieurs packs et essayer de vous faire un petit concours pour gagner des petits kits. Ça pourrait être sympa aussi. Donc ensuite j'ai trouvé des petits kits de paillettes et il y a 6 boîtes de paillettes dans chaque kit et j'ai payé chaque kit 1,49 €. Donc il y a celui-ci avec des teintes blanches, argentées et noires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des grandes et des petites paillettes. Donc les grandes paillettes sont ici et les petites paillettes sont ici. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Et j'en ai pris aussi des bleus. Donc il y avait des teintes roses aussi. Mais je préférais les bleus et les argentés. Donc voilà. Donc pareil, hein, grandes paillettes et petites paillettes. Je trouvais ça super sympa et vraiment pas cher. Ensuite j'ai trouvé un sable magique étirable. Spécial Reine des Neiges. J'ai hâte de le tester. J'espère qu'il sera bien. Par contre, j'ai l'impression que la boîte a été ouverte. Ça me fait un peu peur. Parce qu'en fait, c'est un petit peu cassé et tout. Non, ça n'a pas été ouvert. Non, ça n'a pas été ouvert. Donc ça a coûté 2,99 € je crois, ou 2,49 €. Après, c'est une très grande boîte. Il y a vraiment pas mal de sable étirable à l'intérieur. En fait c'est un sable qui ressemble à ces mi-sable, mi-slime et c'est plutôt pas mal si ça fonctionne bien. En tous les cas, pour l'instant j'ai pas encore été déçue sur leur sable étirable. Ensuite j'ai racheté, comme à chaque haul de chez Action pour ceux qui me connaissent bien, deux cols transparentes comme ceci. Les cols transparentes comme ça ne coûtent vraiment pas cher. C'est 77 centimes unité. Voilà, elles fonctionnent super bien pour le slime. Moi, je les adore. Ensuite, j'ai acheté un kit avec
5, oui c'est ça, 5 pâtes à modeler légères. Donc eux ils appellent ça de l'argile légère. J'ai hâte de les tester en vidéo. Donc pareil, ça fera partie des prochains tests sur la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Donc il y a l'école pour l'instant. Il y a ça. Il va y avoir encore autre chose que je vais vous montrer juste après. Mais ça, je me rappelle plus du tout du prix. Je crois que c'était 2 euros et quelques ou peut-être 3 euros. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, c'est dans ces alentours-là. C'est pas plus cher, ça c'est sûr. J'en suis vraiment désolée. Pour ceux qui vont régulièrement chez Action, si vous connaissez le prix de cet article, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourrait aider bah, tous les autres qui voudraient savoir le prix et qui ne savent pas comme moi. Pourtant, je l'ai acheté aujourd'hui, mais je ne me rappelle plus du prix. Voilà. Ensuite, le prochain article, bon, ça, je ne pense pas que ça va intéresser tout le monde, mais bon, ça peut en intéresser quelques-uns. Donc, ce sont tout simplement des boîtes qui vont me servir à moi pour mes diamants painting. Elles ont vraiment pas coûté cher, ça devait être même pas 80 centimes les deux boîtes. Là, j'essaye d'ouvrir en fait pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Je sais pas combien il y a de compartiments, c'est le petit fromage. Oui, donc il y a 8 compartiments par boîte. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous avez les petites ouvertures ici. Donc bien sûr, sur le dessus, il faudra mettre tout simplement votre lettre ou votre dessin du diamond painting pour ceux qui connaissent. Vous allez comprendre. Et ensuite, eh bien écoutez, vous mettez vos petits strass à l'intérieur, vous refermez. Et c'est vraiment super sympa. Donc il y avait plusieurs couleurs au choix. Moi, les couleurs, franchement, je m'en fichais un petit peu. Je crois qu'il y avait du bleu, du vert, du transparent comme ça. Moi, j'ai pris rose et transparent. En fait, j'ai pris un petit peu au hasard. C'est pas la couleur qui m'intéresse. C'est vraiment l'utilité des boîtes. Je les ai trouvées vraiment trop trop bien. Après, j'ai juste un peu peur qu'au niveau de la fermeture, comme ça finisse par se fatiguer et que ça se ferme plus au bout d'un moment. Je verrai. Après, c'était vraiment pas cher. Et nous allons passer maintenant à la fin de ce haul de chez Action. J'ai trouvé, alors totalement par hasard, si je n'étais pas passée par ce rayon, je ne les aurais pas trouvés. Je suis passée par le rayon Noël. Donc, j'ai voulu voir les décorations de Noël. Et qu'est-ce qu'il y avait aux décorations de Noël? Des slimes de Noël. Donc regardez, il y en a un vert. À l'intérieur, il y a des petits personnages. Écoutez, on les découvrira dans la prochaine vidéo. Il y en a un transparent, avec sûrement un Père Noël à l'intérieur. Et il y en a un rouge. Donc je pense que dans une seule et même vidéo, je testerai les slimes ici et celui de la Reine des Neiges en même temps. Voilà, ça fera une belle vidéo. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de découvrir la texture de ces fameux slimes. Eux, ils appellent ça Glitter Jelly Toy. Et ça a coûté 99 centimes unité. Ça, je m'en rappelle, c'est sûr. Donc voilà, ma vidéo haul de chez Action est terminée. C'est à vous de me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. De toute façon, je les ferai toutes, mais dans un ordre différent. Donc, soit le test de ces slimes-là, plus celui-ci. Voilà, ça correspond à une prochaine vidéo. Ou alors le test de ces argiles légères, ou pâte à modeler légères. Après, ils ont appelé ça. Je sais que quand je les ai pris, c'était écrit au niveau du prix pâte à modeler légère, et là-dessus, c'est écrit argile légère. Donc, je pense que voilà, les deux noms correspondent. Ou alors le test de ces colles. Franchement, ces colles-là, j'ai trop trop hâte de les tester. Elles ne sont vraiment pas chères, donc si elles fonctionnent. Voilà, comme je vous ai dit, je pourrais peut-être par la suite, après les fêtes et tout, organiser un concours si j'en retrouve d'autres. Parce que déjà là, quand je l'ai pris, il ne restait plus que deux boîtes derrière. J'ai pas osé prendre les trois boîtes tout simplement parce que si ça fonctionne pas, bah, ça va pas me servir. Donc du coup, j'ai préféré en prendre qu'une et voir par la suite. Donc voilà, j'espère que mon haul de chez Action vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez. Et abonnez-vous. Bisous les amis!